avec agrafe des services exceptionnels. Le 30 juillet 2024, à 18h25, en mission de sécurisation du plan d'eau dans le cadre d'un déplacement en hélicoptère de la famille souveraine, à bord de l'embarcation Saint-Georges, l'équipage est alerté sur le canal 16 de la bande marine VHF par le sémaphore du Cap Ferrat pour un homme à la mer dans le secteur de Cap d'Aille. La mission de surveillance terminée, le sous-brigadier Biancucci, patron d'embarcation, propose au CrossMed son concours pour participer aux recherches. Dans une mer très agitée, avec des creux de plus de 2 mètres, une dérive et un vent d'est force 4, l'équipage du Saint-Georges s'engage dans le secteur désigné par le rescapé d'un dessalage avec l'appui de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 06 dépêché sur les lieux. Après plus d'une heure de recherche, le naufragé Michael Schetter est localisé. Malgré des conditions particulièrement difficiles et une mer très formée, le sous-brigadier Jean-Pierre Biancucci et l'agent de police Thomas Berton se mettent à l'eau pour secourir la victime, encore consciente mais très affaiblie. Grâce à la manœuvre particulièrement habile de l'agent de police Sébastien Kubiak, pilote du Saint-Georges, et avec l'aide de l'agent de police Guillaume Marc, la victime est remontée à bord, ainsi que les deux sauveteurs, sains et saufs. Par leur action et leur professionnalisme, les membres de l'équipage ont permis de procéder aux recherches et au sauvetage d'un naufragé, à l'eau depuis plus de 2 heures, dans des conditions de mer très difficiles et dangereuses. On fait honneur à la direction de la Sûreté publique et à la division de police maritime. Les décorés, sous-brigadier Jean-Pierre Biancucci, agent Guillaume Marc, agent Thomas Berton, agent Sébastien Kubiak. Médaille d'honneur de première classe en vermeil, agrafe service exceptionnel. Sous-brigadier de police Jean-Pierre Biancucci de la Sûreté publique. Agent de police Thomas Berthoin de la Sûreté publique. Agent de police Sébastien Kubiak de la Sûreté publique. Médaille d'honneur de première classe en vermeil, 25 ans de service. Caporal Philippe Grandidier, du corps des sapeurs-pompiers. Carabinier de première classe, David Lelug, du corps des carabiniers du Prince. Médaille d'honneur de deuxième classe en argent, 20 ans de service. Directeur adjoint, Régis Bastide de la Sûreté publique. Commandant principal de police, Frédéric Aznar de la Sûreté publique.
commandant principal de police, Frédéric Romercy, de la Sûreté publique. Lieutenant de police, Frédéric Donte, de la Sûreté publique. Brigadier Jérémy Formosa, du corps des Carabiniers du Prince. Brigadier de police Miguel Manucci, de la Sûreté publique. Brigadier de police Frédéric Santonac, de la Sûreté publique. Sous-brigadier de police, Sébastien Mériguet, de la Sûreté publique. Sous-brigadier de police, Cédric Prunier, de la Sûreté publique. Agent de police Nicolas Amaury, de la Sûreté publique. Agent de police Rémi Fagot, de la Sûreté publique. Agent de police Blaise Gondouin, de la Sûreté publique. Agent de police Christopher Huguenot, de la Sûreté publique. Agent de police Sébastien Cubillac, de la Sûreté publique. Agent de police Barthélémy Laruffa, de la Sûreté publique. Agent de police Alain Morand, de la Sûreté publique. Médaille d'honneur de 3e classe en bronze, 15 ans de service. Brigadier chef de police Mathias Operto, de la Sûreté publique. Brigadier Kevin Johnson, du corps des Carabiniers du Prince. Brigadier de police Jonathan Costa, de la Sûreté publique.
carabinier de première classe, Lelio Frigao, du corps des carabiniers du prince. Carabinier de première classe, Laurent Garcia, du corps des carabiniers du prince. Carabinier de première classe, Arnaud Tombal, du corps des carabiniers du prince. Agent de police, Sébastien Barelli, du corps de la Sûreté publique. Agent de police, Mathieu Blin, de la Sûreté publique. Agent de police, Erwan Le Gallo, de la Sûreté publique. Agent de police, Frédéric Maglotte, de la Sûreté publique. Agent de police, Jérémy Mondeau, de la Sûreté publique. Agent de police, Yannick Montero, de la Sûreté publique. Agent de police, Yvon Ravet, de la Sûreté publique.